Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du Club Canin Éducadog aux Herbiers. Tout d'abord, permettez-moi au nom de toute l'équipe du club de vous souhaiter une merveilleuse année 2019. Alors, on aime beaucoup vous parler des races de chiens peu connues. Alors, celle-ci, elle est peu connue. Vous avez remarqué l'orthographe très spécifique de la race. Nous allons voir ensemble les principaux points à connaître avant toute adoption ou achat de ce chien. Nous allons voir ce que nous raconte sur cette race la FCI, la Fédération Cynologique Internationale. C'est un chien d'origine suédoise dont la reconnaissance du standard est officielle depuis le 28 juillet 2009. Il est utilisé en tant que chien de chasse et sa classification et groupe 5, chien de type Spitz et de type primitif. Dans la section 2 aussi, il apparaît comme chien nordique de chasse, avec épreuve de travail. Ce toutou est sans doute le descendant le plus petit de type Spitz Laika, qui vivait dès les temps préhistoriques avec les communautés de chasseurs du Cap Nord. La sélection naturelle qui favorise les individus les mieux adaptés à leur environnement a permis aux petits chiens de chasse de type Spitz de traverser les millénaires. Pour survivre dans ces régions très hostiles du nord de la péninsule scandinave, les hommes devaient chasser pour se nourrir et s'habiller. Pendant des siècles, les précieuses fourrures de certains animaux leur ont permis de vivre dans des conditions correctes. Et c'était aussi la seule monnaie d'échange valable à l'époque. Aussi, lorsque les prix de la fourrure s'effondrèrent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il en a de même de la population du Spitz. La race disparut alors, et plus aucun individu ne fut inscrit au registre pendant de nombreuses années. Ce qui conduisit le Kennel Club suédois à déclarer la race comme éteinte. Néanmoins, à peine 10 ans plus tard, la nouvelle se répandit que des individus typiques de la race étaient employés comme animaux de compagnie et comme chiens de garde dans de petites propriétés de l'arrière-pays. Les efforts dévoués de quelques personnes ont permis de préserver ce chien de chasse de type Spitz primitif. Quel est son aspect général? Petit chien de type Spitz donc, légèrement rectangulaire, très digne, avec des musculatures puissante et bien développée. Il est attentif, portant haut la tête, de caractère hardi, il est extrêmement agile. Quant à son caractère, eh bien, c'est un chien de chasse. Il est appliqué, plein d'élan et sûr de lui. Bien qu'utilisé principalement pour la chasse aux grands coqs de bruyère, il peut également être employé pour chasser les animaux à fourrure et les élans. La tête, elle, est forte et bien dessinée. Elle va en s'amenuisant progressivement vers la truffe, tant de profil que vue de dessus. Le crâne, lui, est relativement large et plutôt plat. Le front, lui, est légèrement bombé. Le stop est visible, mais à peine marqué. La truffe est noire, le museau, sa longueur correspond à la moitié de celle de la tête et va en s'amenuisant de façon visible vers la truffe sans jamais être pointu. Les joues sont bien marquées, les dents, elles, et les mâchoires sont bien développées, les yeux de taille moyenne en forme d'amande sont placés obliquement. De couleur brun foncé, ils sont brillants, leur expression est calme mais attentive. Les oreilles, elles, sont attachées haut et dressées bien droites. La peau du pavillon est dure et l'extrémité légèrement arrondie. Le cou, lui, est de longueur modérée, proportionnée au corps, sec, musclé, légèrement galbé et porté haut. Le dos, lui, est court, droit, fort, musclé et élastique. La queue, quant à elle, est attachée assez haut, portée haut en arc-en-ciel, mais enroulée de manière lâche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'étendue, elle doit surtout ne pas dépasser en longueur la pointe du jarret. La ligne du dos reste ferme. Vue de face ou de derrière, les membres se meuvent dans des plans parallèles. La robe, quant à elle, poil double, le sous-poil est fin et dense, le poil de couverture est dur, court, droit et plutôt couché, et à longueur variable.
Le chanfrein, le haut du crâne, les oreilles et la partie antérieure des membres sont couverts de poils courts. Autour du cou, sur la face postérieure, des cuisses et sous la queue, le poil est plus long. Alors pour la couleur du poil, il est blanc pur, avec des marques bien définies et bien réparties. La couleur idéale, on peut dire toute nuance de rouge et de jaune. Les marques au niveau du corps doivent être assez grandes. La face latérale de la tête et les oreilles doivent être colorées. Quant à son poids et sa taille, la hauteur idéale pour le chien mâle est de 45 cm et la hauteur idéale chez la femelle est de 42 cm. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une tolérance de plus ou moins 2 cm, ce qui est peu. Les défauts rédhibitoires pour la race, dans son standard, c'est la truffe, couleur chair ou foie, les dents manquantes, bien évidemment, des marques feu et les petites mouchetures. L'exclusion, bien évidemment, mais ça, comme dans toutes les races, c'est le chien agressif ou peureux, tout chien représentant de façon évidente des anomalies d'ordre physique ou comportemental seront bien évidemment disqualifiés. Si la queue est trop courte, c'est pareil, disqualifié. Qu'en est-il de son caractère ? On va dire que c'est un chien qui est plutôt bien équilibré, jamais nerveux ni agressif. Il aime beaucoup les câlins et c'est un chien, comme beaucoup de primitifs, qui est propre très tôt. Bien évidemment, soyez vigilants à l'apprentissage de la propreté. On n'arrêtera jamais de vous le dire. Le chien fait pipi dedans, vous le voyez faire, vous grondez, vous le sortez, il fait pipi à l'extérieur, vous le félicitez et si jamais vous découvrez un pipi, eh bien ma foi, vous le mettez dehors gentiment et vous nettoyez. Utilisez du vinaigre blanc par exemple qui désinfecte très bien. Sa durée de vie, dans le meilleur des cas, est d'environ 13 ans. Ça reste un chien primitif qui aura besoin, à l'âge adulte, de faire du sport. Beaucoup d'activités, donc, si vous aimez la randonnée, chien idéal, il y a une autre chose qu'il faut savoir. Ce n'est pas seulement un chien de chasse, bien évidemment c'est un chien de compagnie, mais c'est aussi un chien qui est utilisé comme chien de traîneau. Bien évidemment, comme tout primitif, sachez qu'il faudra une éducation claire, non violente, mais avec autorité. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur cette race très peu connue, mais nous aimons aussi vous faire découvrir les races de chiens peu connues. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle fiche de races de chiens par Educadog en Vendée.